Salut les amis, c'est Monsieur Lourd, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Need for Speed Payback, les amis, au volant de cette magnifique BMW M4 GTS. Et on va faire, bien sûr, l'émission Drift. Oui, bien sûr, on va faire l'émission Drift aujourd'hui. On commence, hein, on les débute. Est-ce que je suis sur la bonne mission, là? Ouais, c'est ça. Voilà, 209, on a une voiture 247, ça devrait bien se passer, on va se taper directement ici. On l'a acheté donc hier hein, à la fin de l'épisode, cette magnifique BMW M4, histoire d'avoir une voiture assez potable. On va voir ce que ça donne, hein, on va voir ce que ça donne. On espère que ça va bien se passer. Allez. On ne vit que pour les virages et la vitesse. On est toujours sur le fil du rasoir entre la vie et la mort, l'adhérence et le dérapage. Je suis Aki Kimura, le roi du drift. Bienvenue chez Noisebomb. Noisebomb, excellent, excellent, j'adore. J'adore. Ah, on a un peu de carrossage sur les roues avant, hein, John McAllister. Un peu sur les roues arrière aussi. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu veux me prendre ma couronne. Je te laisse ta couronne, Kimura. Par contre, je viens battre ton score. On pulvérise des records dans tout le pays. Tu penses vraiment pouvoir nous empêcher de conquérir les meilleurs coins de Fortune Valley? En plein dans le rêve américain, hein. Je vois. Mais à Fortune Valley, c'est moi qui bats les records. Eh ben, allons-y. On va la refuser celle-ci. Ouais, je suis comme ça. Ce sprint s'appelle la boucle de la couleuvre. Voyons ce que tu peux faire. Admire. Allez, c'est parti. La boucle de la couleuvre. Ok. Par contre, on va falloir partir à un moment donné la voiture. Voilà. Allez, y a rien à voir. Super. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Eh ben, quelle surprise. Si ça t'a surpris, tu seras vite abasourdi. Pardon, excusez-moi, je vais passer. Allez. T'es de Londres? J'y étais il y a quelques années. Silver Rock, c'est chez moi. Pour le meilleur et pour le pire. Pardon. Je suis venu pour une seconde chance. La voici. Ouais. Bah moi j'attends toujours. Hé, hey, Aki, dis-moi un peu. Je suis comment là? T'as déjà atteint l'objectif et tu le sais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah oui, en effet, on est à 200 000. On est à 200 000 pour 78 000, on est là, on est là, on est là. Passe le drift, Mac. Ok, là je plaisante plus. Oh, ah dommage. Gagner le droit de participer à une autre épreuve. Alors maintenant, c'est un plaisir. Plaisir? Tu sais me parler, toi. Tiens, pardon. Admire un peu ça. Pardon, pardon. Oh, les 500 mètres, on aurait pu les faire, je pense. J'aurais dû prendre le pari. Pas que tu pourrais battre notre score de la boucle de la couleuvre. Apparemment, j'avais tort. Ça t'apprendra à parler contre moi. Ha! T'as vu ça? Ça, c'est du sérieux. Ah oh, merde. Putain, j'aurais pu passer en 4. Mais ce qui est chelou, c'est que le score de drift soit aussi petit, parce que, enfin, 78 000 alors que on l'a battu en 30 secondes, même pas. Ça, c'est du drift. Et voilà pour le record de Noisebomb. Bien joué. Ouais. Boum. Chelou. 597 000, pas mal. L'autolog à 196, bon, on l'a explosé. Mais c'est chelou que ce soit aussi bas le score quand même.
Je m'attendais à pire, enfin plus. Et du coup, une petite classe 11. Bon, on avait un 9, vas-y, fais plaisir, 254. Ah, on a que 4 courses aujourd'hui, donc on va peut-être en faire que 2. 2 et 2 demain. Ou on fait tout aujourd'hui. On fait tout aujourd'hui, allez, vas-y. J'en ai fait qu'une bouchée de surcorps. Après, on va se faire le sprint du pont. Pour être sûr que c'était on fait tout aujourd'hui. On va se TP où? Ouais, bah on a rien de prêt quoi. À part celui-là pour nous rapprocher. Ah, je peux même pas. Ah, bah non, c'est un garage que j'ai pas acheté. Merde. Bon, et bah on y va. C'est parti, allons sur la piste. Elle est vraiment cool par contre la GTS là. Une moitié de journée déjà faite. Ou plutôt. Reste à faire. J'ai même pas envie de la customiser visuellement la GTS parce qu'elle est tellement classe comme ça. À part l'aileron qui me dérange dessus, je suis pas fan des ailerons sur les voitures. À part l'aileron, franchement. Quand c'est un aileron qui est intégré à la carrosserie, ça me dérange pas trop parce que visuellement c'est propre. Genre les ailerons qui sortent à partir du 7 vitesse et qui se mettent, voilà, ça me dérange pas trop. Par contre les ailerons comme ça là, les gros ailerons sport tuning, ça me fait trop penser au tuning justement et je suis pas fan. Vraiment pas. Ah, les lagouillis. Voilà. Voilà, merci les lags. C'est juste injouable quand il y a des lags. C'est génial, hein. C'est génial. Et voilà, sur une zone de drift, ça va être génial. J'ai pas chopé. J'essaie de choper les multiplicateurs, mais laisse tomber quoi. Bon, en même temps, on a réussi le drift, mais. Il y en a, les multiplicateurs pour les choper. Oh, c'est la gagne, c'est ça. C'est certaines zones en fait. J'ai l'impression que c'est certaines zones. Par contre, c'est là. J'ai l'impression que c'est certaines zones qui sont en train de charger, j'en sais rien. C'est complètement bizarre. Ah, si en plus tu chopes les multiplicateurs, laisse tomber quoi. Les zones de drift, tu les exploses quoi. Les explose 230 pour 254, donc on est encore bon. Merde, on est encore bon. Je crois que on avait atteint 180 km/h et battait le score affiché. Non, vas-y, refuse. Je crois qu'on avait une personnalisation, je crois, visuelle avec les drifts. Avec les drifts, voilà, diffuseurs. On a récupéré les diffuseurs. Bon, par contre, faudrait peut-être pas laguer sur cette épreuve, ça serait cool. Ah, je pense que c'est un peu trop demandé apparemment. Pas mal du tout. Encore une fois, j'aurais peut-être dû prendre le pari. Reste. Désolé. Ah merde, on l'a touché. Comment j'enchaîne ces angles de fou ? Ouais.
continue. Ah, fucking lag, allez, sérieusement. C'est relou. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ça? Michiko. Les épreuves de drift par contre sur Need for Speed, c'est vraiment un régal. Je dois bien être en train de battre un record là. Pardon. Ouh, ça nous a pas coûté le multiplicateur, c'est cool. Pardon. Ok, collisionner une barrière, ça te reset ton multiplicateur. Par contre, collisionner une voiture, non. Bon bah 484 000, plutôt pas mal. Si on n'avait pas les lags, ça aurait été mieux. Sympathique. Mais ouais, le drift sur Need for Speed, c'est vraiment un régal à chaque fois. J'espère que The Crew va s'inspirer de ce truc-là, parce que The Crew, ils avaient complètement raté le leur, je trouvais, moi, personnellement. Donc j'espère vraiment que The Crew 2 va s'inspirer un petit peu de Need for Speed pour le drift. Allez, on enchaîne, troisième course. Tu es bon. Ouais, c'est bon pour battre le roi. Personne ne bat. On va se TP ici directement, ça sera plus court. On va essayer de faire les 4 comme ça. Et sinon, ce mec là, Ryan, c'est ça? C'était il y a des années. Personne l'a refait depuis. Alors laisse-moi une chance, Majesté. Oh, mais les lags, sérieusement, ça devient relou. What? Quoi, OMG? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je suis même plus en ultra, quoi. C'est ça le truc, c'est que je suis même plus en ultra, je suis en élevé, faut pas déconner non plus. Oh oh oh! Pardon. Dommage. Dommage parce que là, passer entre les deux véhicules comme ça, ça aurait été nickel. Ah, il y a un jeton là. Ah, il y a un jeton là. Voilà. Putain, on est à 17 sur 100. OMG quoi. Tout ce qui est récupéré. Ah merde, t'étais là. Allez, c'est parti. Drifter sur 600 mètres sans vous arrêter. Ouais, non, j'ai pas le temps. J'ai pas envie de faire de paris aujourd'hui, non. Ouais, je suis pas d'humeur parieur aujourd'hui. Avec les lags et tout ça, ça, ouais, on va éviter. On va éviter. Allez, c'est parti. Putain, y'a que des BMW dans le public, quoi. C'est l'heure de frimer. Y'a avec des BMW sur le côté. Ok, on doit faire 64 000. Faute. Ouais, pardon. Ne change rien. Quelle belle. Ouais, non mais le record on le bat en deux virages. L'objectif on le bat en deux virages, s'il vous plaît quoi. À un moment donné, mettez-moi de la difficulté quoi, je sais pas. Tu peux tenir combien de temps, Mac? Mais c'est fou ça! Limite, je pourrais le faire en. Oh putain, mais les défis quotidiens, j'avais complètement. Pardon. J'avais complètement zappé qu'il y avait des défis quotidiens à faire. Ça, j'y pensais même plus. S'amuse. C'est un régal. Jusqu'au bout. C'est un régal. C'est un régal. C'est un régal. Relonge. Ah, dommage.
C'est un régal. Ouais. Oh, y'a un jeton. Soit dit en passant, quelle performance! Ah, Kylas numéro 11, on l'avait déjà, je crois. On l'a avec saut, il est en. Non, je vais garder. Ah, merde! Quoi? Ah, ça relance une course directe? Merde, il y avait un jeton, quoi. Il y avait un jeton juste devant moi, les boules! Le plus marrant dans tout ça, la descente. Ah, du coup, maintenant, faut la redescendre, ok. Oh, dommage! Dommage! Checkpoint manqué. Oui, bah, on y va, là. T'inquiète. Un peu plus difficile dans ce sens-là, on était beaucoup mieux passé à l'aller. C'est bien. Hey, ça en jette grave. J'avoue. Mais c'est pas fini. Incroyable. Ah, que je suis bon. Allez, assez rigolé. Oups! Dommage! Dommage! Là, on a eu deux fois le multiplicateur 4, ça aurait été sympathique de le garder. Ah, par contre, là, j'ai dû m'arrêter complètement. Ah, qu'est-ce que c'est bon! Parce qu'en fait, plus tu montes en multiplicateur, et plus il te faut d'angle dans le drift pour pouvoir le garder et le faire monter. Genre le multiplicateur 3, tu peux pas le faire monter juste avec des petits drifts quoi. Faut que tu sois vraiment courbé pour le faire monter le multiplicateur 3. Genre voilà, là il descend alors que je suis en drift. Faut vraiment bien la, voilà, faut vraiment bien la faire partir. Tu peux pas monter le multiplicateur 3 avec un tout petit drift pour garder la voiture quoi. Intouchable. 452 000, mais ouais, mais on est large. Échappement 10. Eh ben, c'est toujours mieux. 269, on monte là. C'est notre plus grosse voiture pour l'instant. Bon, en même temps, on l'a acheté, elle était niveau 247 déjà, donc ça aide. On est d'accord. Par contre, là, elle est défoncée. J'avoue, t'as assuré sur le run de l'astronome. T'as la cote. Sur les réseaux sociaux, surtout. Ah ouais? Cool. Ils ont fait le rapprochement avec ta prestation au Shift Club. T'es en train de devenir une légende du drift ici, on dirait. Ouh. J'ai toujours été une légende. Fortune Valley a juste fini par la prendre aussi. Bref, t'as gagné le droit de t'attaquer à mon score. On se voit au Silver Canyon All-Star. C'est bon, t'as terminé? C'est que j'ai de la route, moi. Oh, le mec, quoi. Oh, le mec, quoi. Allez, on va passer à la dernière mission. Du Noise Bomb. Qui est donc... Oh putain, Mac, l'autre bout de la planète. Ça se passe comment avec Noise Bomb? Super. L'air streaming bat tous les records de vues grâce à moi. Oh le mec. Oh là là, les mecs arrogants dans ce jeu quoi. Il y a des fois quelques dialogues qui me... On a reçu une cargaison. Il y a quelques fois, il y a... Je vais passer vite fait. C'est pour ça que je suis venu en Amérique. Des dialogues des persos qui me... Ok Mac. Qui me dérange un peu, notamment avec la fille hier qu'on avait hier pour l'émission. Je trouve que des fois les dialogues courts sont mal doublés. Alors encore une fois, je sais que normalement les doubleurs font le doublage sans avoir les images du jeu, sans avoir le contexte et tout, donc c'est difficile de pouvoir mettre la bonne intonation, mais des fois ça me paraît léger quoi, comme doublage. Allez, 280. Ah, là on a une voiture 269 pour 280. Ça devrait le faire quand même. J'ai dit qu'aujourd'hui j'étais pas d'humeur à faire des paris. On a pratiquement 1 million de crédits aussi, tiens.
On les passera normalement avec cette mission. Ah, peut-être pas. Si tu crois t'approcher de mon score au Silver Canyon All-Star. Allez, c'est parti. 5 km de drift. Tu peux dire au revoir à ta première place, roi du drift. Quoi ? Ah oui, là on a un score de 150 000 déjà, quoi. Donc déjà, ouais, c'est un objectif un peu plus élevé, mais bon. C'est beau, ça, on Mac. A déjà 60 000. Ouais. Alors c'est qui le roi du drift? Mate-moi ça, bébé. Wouhou. Mesdames et messieurs, voilà qui est fait. Le grand Aki Kimura a été battu par le grandissime Mac McAllister. En fait, je pensais pas qu'il y arriverait. Tu m'épates, Mac. Oh, easy. J'en reviens pas. On est qu'au début et t'as déjà battu mon record. Pourquoi t'es surpris, j'ai vu? De la poésie en mouvement. Oh, allez. Merde. Et l'artiste poursuit sa route. Après tout, j'ai le droit de viser les sommets. Oh, le mec. Ah, ça va, parce que c'est de l'arrogance gentillette, on va dire. C'est pas de l'arrogance à outrance. Tu vois, c'est pas de l'arrogance pour écraser le gars. C'est gentillette, c'est... C'est pas pour l'humiliation, en gros. C'est juste pour, voilà, le petit lol, le petit taunt. Donc c'est appréciable. Il y a de l'arrogance qui est quand même désagréable. Hein. Si c'est pour écraser, l'humilier, c'est pas drôle, je trouve. Mais l'arrogance pour être, voilà, taunt, troll, ça me va, ça me dérange pas trop. Mec, génial. Tu vois ça? Ton record, c'est de l'histoire ancienne, Aki. Oh, MG. Oh, le dernier drift était juste magnifique. Le dernier drift était juste magnifique. Échappement avec frein. Bon, on va prendre quand même. Bon, bah ça c'est fini. Donc Noise Bomb, c'est fait. Ouh, la Cura NSX. La version américaine de la version japonaise, bien sûr. La Diablo USV, magnifique. Wow, GG, cool. La petite... c'est la Porsche... La Jaguar F-Type R Coupé, sympa. Du coup, on aura... Voilà, on a une mission réussi, histoire Mac. Qui va se débloquer. Je reconnais que t'as bien mérité ma couronne. On fera ça donc, encore, demain. Et peut-être qu'un jour, tu battras mon score. Rejoins donc Noise Bomb. Tu visiterais le pays en continuant ton art. Ce serait génial, mon pote. Mais tu sais... J'ai déjà un crew. Je comprends. Je sais pourquoi tu te bats. Noise Bomb sera là en cas de besoin. Ici Mac. Espèce d'enfoiré. Tu collectionnes les abonnés. H-Tigre. C'est H-Tiger. Mais comment t'as fait pour... H-Tigre quoi. OMG, bon voilà, petite photo faite. L'abonné croit. C'est le cas. Je vais m'entraîner jour et nuit, Mac. Et un jour, je te battrai enfin. J'ai trop envie de te voir essayer, H-Tigre. du coup, on va se quitter là, mais avant ça, on va ouvrir les cargaisons qu'on a récupérées. On en a deux, impeccable. Alors, 5000 pièces d'or, 3 jetons et les néons orange. Et dans la deuxième, néon violet, 5000 pièces et 3 jetons, impeccable. Bah du coup c'était appréciable, j'ai vraiment kiffé, bon mis à part les petits lags qu'on a eu, putain cette voiture est juste magnifique, mis à part les petits lags qu'on a eu au début qui sont très désagréables, mais je ne sais toujours pas d'où ça vient, est-ce que c'est la version PC, est-ce que c'est mon PC qui faiblit, je ne sais pas,
J'espère que ça vous a été agréable pour vous aussi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 2000 et ça, je vous en remercie, les amis. Ça fait très plaisir. Je vous rappelle qu'on fera un petit concours de remerciements sur Twitter quand on aura passé ce palier des 2000 abonnés sur YouTube. Vous pouvez aussi aller voir les amis qui sont sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur les petits liens que je vous ai mis et à vous abonner chez eux. Ça leur fera très plaisir et puis ils vous proposent un petit peu du bon contenu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ils ont aussi des chaînes Twitch, donc ça peut faire plaisir, les amis. Dans la description de la vidéo, vous avez bien sûr le lien Origin si vous voulez acheter le jeu sur PC. Il est aussi disponible sur console, Need for Speed, sur Xbox et PS4, bien sûr. Et vous avez le lien de la chaîne Twitch où on est en live tous les soirs. Vous avez un nouveau lien qui est le lien du Humble Monthly. Si tu peux fermer ta gueule, Jacqueline. Le lien du Humble Monthly qui est donc un lien de partenariat qui vous offre une réduction de 7€ sur votre premier abonnement monthly. Donc c'est un site qui vous file des jeux PC contre de l'argent, mais qui reverse l'argent à des associations caritatives. Donc ça peut être super intéressant de pouvoir acquérir des jeux vidéal et en plus de faire une bonne action. Donc n'hésitez pas à passer sur le site. Il y a le Humble Monthly, il y a le Humble Bumble qui font, voilà, où ils font des petits Bumble. Des petits meubles comme ça réguliers sur des jeux, sur des bouquins, sur autre chose. Et vous avez bien sûr le store hein, qui est disponible aussi, qui vend des jeux un peu moins chers, mais qui est totalement legit. Donc n'hésitez pas à passer sur le lien si vous voulez vous inscrire sur le Humble Monthly. Ça fera plaisir et puis vous pourrez profiter de 7€ de réduction sur votre premier abonnement. Voilà. Vous avez le lien Stand Gaming toujours hein, pour acheter vos jeux PC moins chers si vous avez envie de passer par un Stand Gaming. Vous avez le lien de la chaîne Twitch, je l'ai déjà dit, je crois, où on en live tous les soirs et quelques après-midi. Et vous avez bien sûr les réseaux sociaux pour me suivre, notamment Twitter et Facebook. Et le Discord si vous avez envie de discuter avec moi. Moi je vous dis à demain pour la suite. Salut, bye bye.